À chaque fois que l'on pénètre dans ce village de la Meuse, entièrement détruit pendant la Première Guerre mondiale, on est interpellé et ému. Il ne reste que le cimetière et une petite chapelle édifiée à côté du monument aux morts. Pour relier ces trois lieux, il y a une route dont les abords sont tondus 5 fois l'an pour que cela ressemble quand même à quelque chose. En octobre 1914, 3 mois après la déclaration de guerre, les Allemands sont venus s'installer à une dizaine de kilomètres de Beaumont, où ils faisaient des incursions régulières et tuaient des paysans. Les 186 habitants ont alors pris peur et ont déserté les lieux. Je m'appelle Pierre Libert, je suis maire de ce village, Beaumont-Verdunois. Je suis dans ma 26e année de fonction de maire. Mon grand-père était déjà maire du village. Il a été maire en 1925 et jusqu'à sa mort, c'est-à-dire jusqu'en 1948. C'est mon oncle qui a succédé de 1948 à 1985, puis ma maman pendant 5 ans, de 85 à 90, et depuis 1990, c'est moi qui suis le maire. En fait, j'ai tous mes ancêtres du côté de ma maman qui sont nés ici dans ce village. Et je communie avec eux, je les sens tout près de moi. Et aussi curieux que cela puisse paraître, ces ancêtres sont près de moi parce qu'il n'y a plus rien. Dans un village où il y a du monde, parfois on ne pense pas tellement à ceux qui ont disparu. Ici, on ne pense qu'à ça. Et chaque fois que je viens, je suis très ému, beaucoup d'émotions. Les derniers habitants de Beaumont sont ceux qui sont restés jusqu'en 1914, au mois d'octobre. Ils sont partis en exode. C'est l'armée française qui leur a conseillé de partir. Ils sont partis avec quelques bagages, mais c'était vraiment fort peu ce qu'ils avaient, car ils pensaient que dans 1 mois, 2 mois, la guerre serait terminée et qu'ils pourraient revenir dans leur village. Il y a peu de descendants du village qui viennent encore ici, bien que je me sens un peu le responsable des témoignages. Maintenant qu'il n'y a plus de service militaire, il faut qu'il y ait ce genre de cérémonie, comme celle dont je viens vous parler, pour sensibiliser les jeunes, en particulier à la notion de patrie. Depuis la fin de la guerre, depuis 1920, les gens se réunissent ici chaque année, le 4e dimanche de septembre, pour en fait se souvenir des anciens. Il y a donc une cérémonie à laquelle assistent les autorités. Il y a beaucoup de pèlerins, des descendants des familles. Et puis des amis. Justement, dans le cimetière, il y a un fils du village qui était soldat et qui est mort des suites de ses blessures. Et les blessures, il les avait reçues à quelques centaines de mètres d'ici, dans le fameux Bois des Corps. C'est sa tombe que l'on voit là-bas derrière.
Alors ici, c'est la source du village. Et c'est parce qu'il y a une source qu'il y a eu en fait un village, parce que les villages sur les collines, ça n'existe pas souvent. Surtout, n'oubliez pas que cette commune, on la retrouve en 324 après Jésus-Christ. Il y a 9 villages qui ont été détruits pendant la guerre, dont 6 qui n'ont jamais été reconstruits. Comme mes autres collègues, on est désigné par le préfet. Le conseil général, qui connaît bien en fait les habitants des communes, choisit une personne volontaire qu'il propose au préfet de la Meuse pour donc devenir maire de ces villages. C'est quand même une mission qui a une importance morale, dirons-nous. On n'a pas quand même le travail d'un maire, mais nous avons quand même un registre d'état civil que je signe tous les ans, naissance, néant, mariage, néant, décès, néant. Et ma foi, malheureusement, je pense que ça sera comme cela maintenant, pour l'éternité. Ma mission, c'est de m'occuper du village, et que bon, bah, il faut quand même que je vienne de temps en temps. Et c'est justement la raison pour laquelle il faut que nous nous battions, nous, les maires des villages disparus, des villages morts pour la France, il faut que nous nous battions pour que le souvenir perdure. Parce que on a besoin de souvenirs, on ne peut pas vivre sans regarder derrière soi, sans voir ce qui s'est passé, et sans voir toutes les misères qu'il y a eu en fait dans ce village où tous les habitants ont tout perdu. Sur les plans donc d'avant 14, on compte plus de 90 maisons. Il y avait une mairie, il y avait un lavoir, il y avait une école. Et aux endroits où ils se trouvaient, nous avons mis une pierre pour les matérialiser. Ces arbres sont des arbres qui ont été plantés dans les années 20, entre les années 20 et les années 30. Ils ont caché la tourmente. Parce que s'il n'y avait pas d'arbres ici, vous seriez incroyablement surpris de voir un peu comment se trouve la nature. Ce ne sont que trous et bosses. Il n'y a que ça. Il y a des endroits où le sol a été remué sur des profondeurs de l'ordre de 10 mètres. On ne peut pas s'imaginer de ce qu'il y a eu dans ces villages, du nombre de morts qu'il y a eu sur ce champ de bataille. 600 000 morts sur un front de 20 km. Depuis 90 ans, il y a donc des maires qui s'occupent de ces villages. Il y a des subventions qui sont données. Il y a des cérémonies commémoratives qui existent au niveau national, à haut lieu. Il y a des gens qui œuvrent pour perpétuer le souvenir. La cloche qui était sur l'église a été détruite par les Allemands au mois d'octobre 1914. Et cette cloche, la dernière fois qu'elle avait sonné pour un baptême, c'était pour le baptême de ma maman, puisque ma maman était la dernière née du village. Elle est née en 1913. Donc, il n'y a plus de cloche depuis 1914 dans le village.
Et au conseil municipal, nous avons pensé qu'il serait bon de mettre à nouveau en place à Beaumont une cloche et qui, il y a 2 ans, a été mise en place sur cette chapelle. Là, quand elle a sonné pour la première fois, là, j'ai été très, très, très ému. Et j'ai pensé à ma maman en particulier. Et puis là, maintenant, eh bien, on appelle les fidèles à venir à la messe comme on le faisait il y a 100 ans. Ouais. Souvent, je sers de guide à 1, 2, 3 personnes. Et souvent, ce sont des Belges qui viennent. Et bien, enfin, si j'ai pu faire en sorte que vos amis belges puissent savoir un peu ce qu'est un village mort pour la France, et je serai content.